nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019. Mais, wow, mais j'ai rêvé qu'on nous avait enlevé la CAN et que les gens avaient oublié le numéro pour acheter le t-shirt. Mais, en tout cas pour le numéro, voilà le numéro. Et pour la CAN, vous-même vous savez que c'est impossible. La CAN 2019, c'est déjà demain. Hé, hey, laisse les gens. Hé, hey, mon ami, un peu de respect. Parle le père. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive, ici même au Cameroun. Amen. Et le Cameroun sera prêt le jour dit. Amen. Oh. Attends le père, prends l'engagement. J'en prends l'engagement. Voilà, il a pris l'engagement. Que celui qui a la bouche là vienne encore parler ici. Il faut les hôtels, il faut les routes. Rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Ah ah, voici dans le genre des personnes qui cherchent à déstabiliser ce pays. Monsieur, écoutez bien ceci. Le Cameroun organisera bel et bien la 32e édition de la Coupe d'Afrique. Voilà qui est bien dit. Elle sera couronnée de succès. Amen. Je profite d'ailleurs pour dire au peuple que... Vous ne vous êtes pas trompé. Vous avez fait le meilleur choix. Le choix de la force de l'expérience. Je vous jure. I do so swear. Hey, laisse les gens. Toi-même, laisse les gens. Espèce de jaloux. Les Ivoiriens ont déjà fini le stade. Ils organisent quelle CAN 2022. Et puis quoi? Nous on va lentement et sûrement. Ça s'appelle... Boxe de l'expérience. D'ailleurs, on est habitué. Nous avons l'habitude au Cameroun des faits inédits et originaux. Voilà, ça s'appelle en d'autres termes... Boxe de l'expérience. Et pour illustrer cela, il faut savoir que... Le Cameroun a été le premier pays à rentrer d'une Coupe du Monde sans être battu. Voilà, sans être battu. Ça veut dire qu'on est rentré avec une Coupe du Monde. Bref, faut aussi savoir que... Le Cameroun est le premier pays africain à remporter 5 fois l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, 7 fois. 84, 88, 2000, 2002, 2017. 5 fois. Ok. Ah oui, il y a aussi celle de 2018 en Sardinavie et celle de 2035 au Wanda-Foukistan. C'est ce qui s'appelle... Boxe de l'expérience. Bref, le Cameroun sera prêt. Et en plus, on n'a même pas encore stabilisé l'électricité. L'électricité sera bientôt stable, mon ami. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Le courant est parti, boss. C'est souillant, hein. On s'en fout. Tout ce qu'on sait, c'est que la CAN ne nous sera pas retirée pour si peu. D'ailleurs... Si vous pensez que cela se fera, mais je vous dis, vos rêves sont pitoyables. Ça, c'est ce qu'on appelle... Boxe de l'expérience. Le président de la CAF a plusieurs fois remis un nombre... Quand j'entends les gens dire que le président de la CAF veut retirer la CAN... N'attribuez pas au président de la CAF ce qu'il n'a jamais dit. Ah oui, c'est clair. Surtout qu'il n'y a jamais songé. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Voilà qui est clair maintenant. Quelqu'un d'autre veut parler? Personne? Nous avons pris une décision de retirer la CAN 2019. Hey, le pays a quoi? Attends. Bon, c'est officiel. On nous a retiré la CAN. Non. Je ne crois pas. Le Cameroun... n'a pas démérité. Les mauvais ingrédients produisant les mauvaises sauces, le Cameroun se retrouve justement dans la sauce. Pourtant, mon ami Riri était content de venir au Cameroun. That's not easy for me to understand, or... Ouais, ne pleure pas, maman. Maman, elle ne comprend plus rien. Demande un verre de whisky là-bas. C'est ça, boss. Il n'y a pas de verre. Boss, il faut dire aux gens qu'on a payé le whisky là chez Dream Center. Aka, laisse-moi dire, même quand je suis fâché, tu me fais faire la pub. Oh. Il n'y a quoi, boss? Est-ce que Drink Center a même besoin de publicité? Bon, c'est vrai qu'ils sont nouveaux, mais je ne vois pas un consommateur normal dans sa tête aller acheter son vin dans les endroits bizarres. Pourtant, il sait que le premier supermarché où on vend seulement le vin a ouvert ses portes à Yaoundé, à 100 mètres d'intendance sur la route de Ligue Sono. C'est pas grave, boss, fais la pub! Non, zéro pub. Je préfère d'abord qu'on laisse les consommateurs aller découvrir le lieu. Dès ce 6 décembre, ils vont découvrir la qualité des produits, le standing des lieux, le savoir-faire et le faire-savoir de l'entreprise. Et la cerise sur le gâteau, les prix les plus bas du marché en cette veille de fête de fin d'année. Ensuite, on va faire une petite pub pour dire aux gens que Drink Center vend tout ce qui se boit. Des jus les moins chers aux whisky les plus rares au monde, en passant par les vins et spiritueux. En attendant, continuons de pleurer. Je n'arrive même pas à y croire. C'est la triste réalité, grand. C'est pas possible. Oh que si. Organiser une CAN depuis 72, c'est quoi ça? Non, rien grand. Moi, mais Wanda comme toi. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Vraiment, qu'il nous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ah oui, j'ai remarqué que tu n'as même plus dedans. Ils ont mis tes choses dehors. Ça me dépasse. Juste que ça te dépasse. I do so swear. Hey, laisse les gens. Mec, c'est quoi ça? La malchance, la malédiction ou quoi? Je ne sais pas, mais je pense que c'est... la force de l'expérience. Mais lorsqu'il faut frauder les élections, on leur voit étaler leurs compétences. On leur voit étaler leurs compétences.
On leur voit étaler leurs compétences. Je te dis. Finalement, on a les dirigeants qu'on mérite. Attends, donc c'est nous le problème. Mais oui, vous les Camerounais. Hey, tu es français. Enfin, nous. Ok, comme c'est nous le problème là, toi tu as fait quoi? Je voulais remplacer pour le bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2018, on avait la possibilité d'en découdre. 3,5 millions seulement sont allés aux urnes. Et? Résultat des courses, Paul Biya a gagné parce que les gens n'ont pas voté. Et qui? Tu avais d'abord dit le contraire, non? Paul Biya a gagné. En tout cas, heureusement que la FIFA a pensé à développer nos infrastructures. La FIFA a donné beaucoup d'argent à la fédération de ce pays. 20 millions de dollars. On a même pris 4,5 millions sur ça pour qu'on ait un siège futuriste pour la FECA Foot. Depuis 2012, le chantier n'a pas été livré. Ça fait quoi? Au moins, on a conçu un centre d'entraînement futuriste avec plusieurs stades. Une coquille presque vide. Vide comment? Deux bâtiments à l'abandon. Et un seul terrain en synthétique. C'est déjà quelque chose. Et en bon français, on appelle ça... Fox de l'expérience. Même en les cherchant bien, on ne trouve pas les millions de la FIFA au Cameroun. Vous n'avez même pas bien cherché. Allez dans les appartements meublés de Bastos, dans les paradis fiscaux. Vous allez voir. Hey, c'est ce qu'on appelle un paradis fiscal. Oui, bon, c'est là où les riches partent après la mort. Voilà le pays qu'on dit que Bangla ne doit pas être chef. Je serai chef d'État. Il sera chef d'État. Je vais vous puger. Il va vous puger. Je vais vous puger. Il va vous puger. Mais vraiment? Non, petit, calme-toi. Ton petit frère va clôturer. Vive le Cameroun. Et puis c'est tout. Alaoubade, le blé est un pays bien haut. Alaoubade, Alaoubade.